l'état des lieux juridique valo sur cette question-là, sachant que INRAE Transport, il y a toute une réflexion actuelle sur ces questions avec un groupe de travail sur la valorisation des logiciels dans le cadre du plan d'action d'innovation d'INRAE actuel. On a avancé sur la question, ce n'est pas encore mûr, mais je pense qu'il y a déjà des premiers résultats intéressants à vous montrer. Et du coup, si je peux passer à la slide d'après. Du coup, pour la présentation, elle sera en trois parties. Une première assez rapide pour rappeler qu'est-ce que la valorisation de la recherche, déjà, assez générale. Une deuxième un peu plus juridique pour que vous ayez quelques notions de propriété intellectuelle sur le droit d'auteur, les licences, etc. Et une troisième sur la politique INRAE en termes de valorisation des logiciels en lien avec les questions de sciences ouvertes et de licences libres, notamment. Et puis, quelques exemples de modèles de valorisation un peu concrets pour que vous soyez, enfin, vous puissiez voir des cas précis et vous rendre compte de ce que ça donne la valorisation des logiciels à INRAE. Voilà. Je laisse mes collègues prendre la suite. Merci. Moi, je vais vous parler, je vais commencer par la partie 1, les rappels, donc assez rapide. Qu'est-ce que la valorisation de la recherche? Alors, on vous a mis deux définitions que vous connaissez probablement déjà ou pas. Donc, la valorisation, c'est un moyen de rendre utilisable et commercialisable les résultats, les connaissances et les compétences de la recherche. Et l'objectif, c'est d'augmenter la valeur des résultats de la recherche pour donc garantir son impact sur le monde socio-économique. On a une autre définition légèrement différente. Donc, notre rôle, c'est d'accompagner en fait une invention pour la transformer en innovation. On va mettre en relation les chercheurs de la recherche publique avec la partie du monde socio-économique. Donc sur la slide d'après, on revient un petit peu sur ces aspects-là. Donc l'invention et l'innovation. Donc la différence, l'innovation, c'est une idée nouvelle, un concept, et une invention qui trouve son marché, son usage, et qui va donc se distinguer avec un succès commercial. Donc on a bien l'innovation, le marché et l'interaction entre les deux qui donne l'innovation. Et donc pour nous, notre objectif de la valorisation, ça va être toutes les actions qui auront pour but de favoriser l'adoption des inventions dans le but de maximiser leur impact bénéfique. Sur la dernière slide, pour la partie parcours de l'invention et l'innovation, on vous a remis en fait le cycle de la valorisation au sein d'INRAE. Et donc, pour la plupart, on s'est déjà présenté, mais vous voyez, ça commence donc à partir de la recherche où vos principaux interlocuteurs, ce sont les IPP. Donc pour vous, c'est Vanessa de Tranchant et Isabelle Berger. Donc pour tout ce qui est signature des contrats de recherche, des accords de confidentialité. Après la partie détection avec notamment les DIRV, les déclarations d'invention et de résultats valorisables. Donc une fois que vous avez vos résultats issus de vos contrats de recherche, donc les CPI. Pour la partie bioraffinerie, Diana ici présente et Jean-François Ballester. Et pour les deux autres DI, Sol et O, donc Virginie et Stéphane pour la rentrée 2023. Ensuite, pour tout ce qui est protection intellectuelle, donc on a des ingénieurs PI au sein d'INRAE. Agathe Afchin pour la partie bioraffinerie et Pascal Parpé pour les deux autres DI. Et ensuite, on a donc pour la partie prématuration ou maturation, s'il y a besoin. Donc, on travaille, nous, les chargés de valorisation avec les CPI sur cette partie-là. Et enfin, on arrive donc au transfert où on retrouve un peu tous les interlocuteurs, les chargés de valorisation, les CPI, les IPP si on repart sur un nouveau contrat de recherche. Et dans certains cas, création d'entreprise, où là, on a au sein d'une arrêt transfert une responsable pour la partie start-up qui est Stéphanie Potok et qui peut vous accompagner sur ces démarches-là s'il y a besoin d'un concours scientifique ou autre. Et donc après, voilà l'innovation créée et l'impact sur le monde socio-économique. On va passer alors à la partie 2, sur les logiciels, et on va commencer avec quelques notions de propriété intellectuelle. Déjà, on vous a remis
en fait certaines définitions sur le logiciel. Qu'est-ce qu'un logiciel déjà? Donc un logiciel, c'est tout un ensemble de programmes, de procédés, de règles et aussi de la documentation. Enfin, vous pouvez avoir des travaux préparatoires qui sont relatifs au fonctionnement d'un ensemble de traitements de données. Donc le logiciel, il se compose d'un texte, des fonctions, donc des actions et algorithmes, un langage et des briques ou modules. Donc dans le logiciel, on va retrouver un algorithme qui, lui, est tout un ensemble de règles opératoires, de calculs, des instructions qui permettent d'accomplir une certaine tâche et résoudre un problème enfin, fini. Et ensuite, bon, vous avez aussi mis les définitions du matériel de conception préparatoire, donc tous les documents qui vont vous permettre ensuite de coder et de créer le logiciel. Et enfin, les définitions du code source et du code objet. Le code source, c'est la partie avec les instructions qui sont rédigées sur un langage évolué, mais qui est compréhensible pour l'homme de l'art, une personne qui s'y connaît. Et après, le code objet, là, c'est le langage binaire en 0-1, qui lui est lisible uniquement par l'ordinateur. Voilà pour les principales définitions autour du logiciel. Pour tout ce qui est propriété intellectuelle, donc on a, enfin principalement en fait le droit d'auteur qui va s'appliquer au logiciel. Donc c'est la principale protection pour ce type de pays. Donc les grands principes du droit d'auteur. Alors en premier lieu, c'est qu'il s'acquiert sans aucune formalité, contrairement au brevet ou à d'autres types de pays. Par défaut, vous avez le droit d'auteur. Et dans le cadre du logiciel, et pas que, pour avoir ce droit d'auteur sur le logiciel doit être original. Donc, il doit y avoir un certain effort en fait pour bénéficier en fait cette protection. Et d'ailleurs, enfin, c'est ce qui est mis en dessous. L'algorithme, lui, il n'est pas protégé par le droit d'auteur. Donc c'est important. Comme c'est une succession de règles et d'idées, il n'y a pas cette originalité-là, qui est par contre sur le logiciel, pour bénéficier de cette protection-là. Donc l'algorithme n'est pas concerné en fait par le droit d'auteur sur les logiciels. Et il faut aussi, donc un troisième point, pouvoir prouver en fait la date de création du logiciel. Donc il y a différents modes en fait pour prouver. Voilà, le référencement à l'APP qu'on réalise régulièrement, un dépôt chez un huissier. Vous pouvez aussi envoyer un recommandé sans l'ouvrir, où on aura donc la date de la poste, et aussi le déposer sur une plateforme et enfin en tenir un identifiant pérenne. Donc là, ce sera le cas quand on veut enfin, publier le logiciel, le mettre en libre accès. Ensuite, pour les notions donc, sur le droit d'auteur appliqué au logiciel, donc, vous avez deux types de droits en fait, sur le droit d'auteur logiciel. D'une part, les droits moraux qui sont incessibles et perpétuels. Donc, vous avez le droit de paternité et d'attribution et le droit au respect de l'œuvre. Donc, les droits moraux, ça concerne les inventeurs. Donc, vous en tant que chercheur. Et d'un autre côté, les droits patrimoniaux, qui eux sont cessibles et limités dans le temps. Et donc, on a le droit de représentation, le droit de reproduction et d'utilisation, le droit d'adaptation, de distribution et de location. Et celui-là, dans le cadre des logiciels, c'est l'employeur qui est titulaire de ces droits patrimoniaux et qui va pouvoir, en fait, donner accès, en fait, au logiciel, enfin, via le droit d'auteur-là, à un tiers, enfin un acteur du monde socio-économique. Donc ça passe par l'employeur. Donc c'est ce qu'on disait, voilà, les droits moraux, ils sont inaliénables, alors que donc les droits patrimoniaux, eux, à l'exception en fait du droit d'auteur classique, c'est pas le cas pour le droit d'auteur classique, mais dans le cadre des logiciels, c'est l'employeur qui a ces droits-là. On a mis deux petits points d'attention. C'est tout ce qui concerne en fait les personnels qui ne sont pas salariés, qui peuvent être par exemple hébergés au sein du laboratoire comme les stagiaires ou des doctorants qui sont boursiers. Il y a eu assez récemment, l'année dernière, une ordonnance
fin courant décembre 2021, pour qu'il y ait une cession automatique des droits patrimoniaux vers l'organisme d'accueil. Puisque avant, il fallait bien penser en fait à faire signer au stagiaire, à la personne qui accueillit, une cession des droits patrimoniaux, puisque comme ils n'étaient pas salariés, ça n'allait pas directement à l'organisme d'accueil. Et donc, depuis cette ordonnance-là, ça a été revu en fait sur cette partie-là. Et faire aussi attention aux prestations, puisque, enfin, vérifier bien en fait dans le contrat de prestation qu'il y a une cession des droits patrimoniaux qui est intégrée en fait, pour enfin, voilà, pour être tranquille en quelque sorte et que le prestataire n'ait rien à revendiquer rien du tout en fait. Et ensuite, un dernier point, voilà, sur le droit d'auteur, donc dans la pratique, donc pour pouvoir en fait se défendre, défendre ses droits sur un logiciel via les droits d'auteur, il y a deux conditions à respecter. Donc réussir à prouver que bah, l'empreinte de l'auteur sur le logiciel et prouver la création de l'œuvre. Donc d'un côté, pour les logiciels qui ne sont pas diffusés largement et qui sont sous licence propriétaire, on va revenir après sur la partie licence propriétaire, donc ce qui est valable, donc un référencement à l'APP, une enveloppe solo, un dépôt chez un huissier ou encore un envoi en recommandé, et quand les logiciels sont rendus publics, les diffuser en ayant un identifiant donc pérenne, et là aussi on reviendra là-dessus sur la suite. La présentation. Donc oui, juste par rapport à la diapo d'avant, comme vous avez vu, que ce soit pour des logiciels diffusés non largement, donc sous licence propriétaire ou lorsqu'on diffuse un logiciel sous licence libre, voilà, dans les deux cas, il y a le terme licence. Donc on peut regarder un petit peu, mieux comprendre ce que c'est réellement qu'un contrat de licence. Donc un contrat de licence, ça va être un contrat par lequel le titulaire du droit d'auteur, que vous a présenté Stéphanie juste avant, sur un logiciel, il va définir avec son co-contractant, donc ça va être l'utilisateur du logiciel, les conditions dans lesquelles le programme, le logiciel pourra être utilisé, diffusé ou modifié. Donc, pareil, on vous a mis un petit rappel pour dire que voilà, un logiciel pardon, sous licence libre ne veut pas dire que c'est un logiciel vraiment complètement libre qui n'a pas de licence. Pour détailler un peu plus les deux types de licences, on va donc avoir des licences propriétaires qui, elles, vont être nominatives. C'est réellement un contrat qui est signé entre deux parties. Et les conditions peuvent changer d'un utilisateur à un autre. Dans le contrat, on va pouvoir insérer différents types de modalités. Donc, on vous en a listé quelques-unes sur la diapositive. Il peut y avoir donc la livraison, l'installation du logiciel, des modalités de maintenance corrective évolutive, des garanties, un prix pour la concession. Voilà, il y a quand même un certain nombre de modalités qui peuvent être inclus dans ces contrats-là. À l'inverse, pour les licences libres, donc elles vont être non nominatives, c'est-à-dire que toutes les conditions sont identiques pour l'ensemble des utilisateurs. Et ces licences libres vont permettre de faire valoir quatre libertés, qui sont donc la liberté d'utiliser le logiciel, de le copier, de l'étudier, de le modifier et de redistribuer, donc de recopier la suite ces versions modifiées. De manière générale, sur les licences libres, donc on note qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas d'engagement de responsabilité de l'auteur sur l'utilisation des codes par un tiers et également non. Donc, il n'y a pas de garantie contractuelle. Là, on n'a pas réellement de contrat qui est signé entre les deux parties. Pour entrer encore un peu plus en détail dans les licences libres, donc ça va peut-être être la diapo un peu difficilement digérable. Donc, il existe différents types de licences libres. Il en existe plusieurs, mais il y a vraiment deux types de licences libres. Celles qui sont permissives, donc elles vont permettre aux utilisateurs de redistribuer des versions qui vont être modifiées ou non sous n'importe quel type de licence. Et ensuite, il y a des licences qui sont dites copylettes. Là, par contre, si les utilisateurs d'un logiciel sous licence libre veulent redistribuer des versions
modifier ou non de ce logiciel, ils vont forcément devoir le publier sous licence libre. Donc cette notion de copyleft, elle se décline elle aussi sous deux types. Il y a le copyleft faible ou le copyleft fort. Si on regarde le schéma que vous avez, j'allais dire à l'écran, mais on va dire au mieux. Voilà, les trois blocs du haut, ça va représenter le logiciel A sous sa forme originale. Et ensuite, les trois blocs du bas vont représenter une forme redistribuée du logiciel A. Vous avez donc potentiellement le logiciel A' qui va être une version redistribuée du logiciel A, donc encore une fois modifiée ou non. C'est ce qu'on appelle donc un logiciel dérivé. Et également, à coller le B à ce logiciel dérivé A', vous pouvez avoir un ou plusieurs modules. Donc là, c'est ce qu'on appelle plutôt un logiciel composé, donc qui est représenté ici sous la lettre B. Et en fait, en fonction de la licence appliquée sur le logiciel originel A, ça va avoir une incidence sur les licences que vous allez pouvoir appliquer sur votre logiciel dérivé ou sur le module composé que vous allez travailler, toujours voilà, par rapport au logiciel A. Donc, si on a une licence permissive, donc c'est le premier cas à gauche, donc sans permissive, donc sans copyleft, là, l'utilisateur qui va vouloir redistribuer une version du logiciel libre, voilà, il a le choix d'utiliser n'importe quelle licence. Ça, du coup, l'objectif, c'est de pouvoir publier un code informatique qui soit vraiment utilisé, diffusé le plus largement possible. Ensuite, si par contre le logiciel A est sous une licence libre avec un copyleft faible, le logiciel dérivé, A', va forcément devoir également lui aussi avec copyleft faible. Par contre, le module B, lui, peut être sous n'importe quel type de licence libre possible. Ou même effectivement propriétaire. Dès qu'à partir du moment où l'utilisateur a le choix total de la licence qu'il utilise, il peut l'imbriquer dans un code propriétaire sans problème. Là, l'objectif, ça va être donc de pouvoir diffuser largement les codes informatiques, mais en même temps, pour le logiciel A', de par contre garder le fait que cette partie-là reste en open source. Et donc le dernier cas, ça va être si le logiciel A est sous une licence libre avec copyleft fort. Là, par contre, donc le logiciel dérivé et le ou les modules vont également devoir être sous licence libre avec copyleft fort également. Là, l'objectif, c'est vraiment d'empêcher que les versions redistribuées du logiciel ne soit pas en open source. Je rajoute sur ce dernier type de licence avec des copyleft fort, c'est très couramment utilisé dans les communautés du livre pour se dire que dès qu'on contribue, on remet au pot commun. C'est un peu, pour certaines communautés, c'est un peu de la confiance de se dire, ah, bon, on est tous sous la même règle, on remet dans le pot commun dès qu'on fait quelque chose et on travaille ensemble sur une version communautaire. Ça à voir selon les stratégies, ça peut être bien ou pas bien, ça dépend des cas. Juste en plus de ça, donc pour noter, donc ça, ces obligations, elles interviennent à partir du moment où les versions modifiées sont redistribuées. Donc il y a réellement un acte de distribution. Donc qu'est-ce qu'on entend par acte de distribution? C'est vraiment le fait de le diffuser auprès d'un tiers par une vente ou par un autre moyen de rediffusion. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des licences libres ne considère pas qu'un logiciel web service est un acte de redistribution. Alors, il y a quelques exceptions, savoir dans le détail, mais voilà, c'est juste pour vous dire. Donc, par rapport à la diapo donc suivante, donc il faut faire attention par rapport à la compatibilité des licences, parce qu'elles ne sont pas toutes compatibles entre elles. Lorsque vous utilisez un logiciel sous licence libre ou une bibliothèque, des bribes de code que vous allez vouloir insérer dans vos œuvres, dès le début, il va falloir faire attention au type donc de logiciel libre ou de bibliothèque que vous utilisez
pour pas qu'elle soit bloquante par rapport à ce que vous avez prévu en termes de diffusion pour votre œuvre. Il y a, pour, voilà, pour que la condition de compatibilité soit totalement atteinte, hein, il faut que l'ensemble des droits accordés par la licence de l'œuvre que vous allez vouloir diffuser, que donc ces droits et obligations se retrouvent également dans soit le logiciel, brique de code, bibliothèque que vous allez utiliser. Et de manière réciproque, les droits et obligations mentionnés dans la licence des bibliothèques, briques de code, doivent être également inclus dans les modalités de la licence que vous allez choisir. Donc voilà, il y a vraiment cette partie de réciprocité. La diapo suivante, voilà, on vous a mis une petite illustration pour vous sensibiliser à la compatibilité des licences. Parce que voilà, là, c'est une illustration où on voit justement il y a un petit souci de compatibilité. Et donc, ça peut arriver que certains chercheurs aient besoin, quand ils arrivent à terme, voilà l'œuvre, l'objectif maintenant, c'est de la diffuser. Par contre, il y a un souci de compatibilité. Donc, soit il faut changer de bibliothèque, soit il faut recoder une partie. Donc voilà, c'est vraiment pour sensibiliser sur le fait que dès la création de l'œuvre, essayez de faire attention au maximum pour pas être bloqué ensuite lorsque vous voudrez diffuser votre œuvre. Et ensuite, alors oui, pour vous présenter donc maintenant dans la pratique comment ça se passe lorsqu'on arrive, voilà, un nouveau logiciel a été développé. Concrètement, comment ça se passe? Donc, la première question à se poser, c'est de regarder est-ce qu'il y a des enjeux de valorisation vers le monde socio-économique ou non. S'il y en a, donc il y a une étude de la stratégie de valorisation qui va devoir être réalisée. Et pour cela, donc, il faudra donc contacter les services de valorisation où cette étude stratégique sera réalisée. Et par contre, donc, s'il n'y a pas d'enjeu de valorisation vers le monde socio-économique, là, donc, on va faire le choix d'une licence libre. Pour ça, vous pouvez vous appuyer sur le guide des logiciels qui est disponible, enfin, je pense que vous verrez les diapos, qui est disponible sur le lien suivant. Il se présente, en fait, sous un arbre de décision, et ça vous permettra de connaître là où les licences adaptées à votre projet. Et donc ensuite, l'objectif, ce sera de faire un dépôt sur le GitHub IDRAE que je détaillerai sur la diapo juste suivante. Voilà, s'il y a un enjeu de valorisation vers le monde socio-économique, après étude stratégique, l'option choisie, c'est la licence propriétaire. Dans ce cas-là, voilà, pour se protéger, pour faire valoir ses droits d'auteur, c'est assez simple. Il faut réaliser un dépôt à l'Agence de la protection des programmes. De ce que j'ai compris, en tant que chercheur, vous avez à remplir un formulaire qui est envoyé à l'équipe PI d'INRAE. Et c'est l'équipe PI d'INRAE qui va se charger concrètement de faire le dépôt à l'APP. Et par contre, donc, si on est dans le cadre d'une licence libre, d'une diffusion libre d'un logiciel, donc il y a une procédure qui est recommandée par l'INRAE, qui est donc de déposer les codes informatiques sur le GitHub d'INRAE. Pour avoir accès à ce GitHub-là, vous pouvez prendre contact avec les personnes renseignées sur la diapositive, donc je ne sais pas si je peux bien le prononcer, Michael Schell, c'est ça, et Eric Quinton, qui pourront vous donner des accès pour pouvoir avoir accès donc au GitHub d'INRAE. Pourquoi cette recommandation-là? Parce qu'à partir du moment où vous mettez vos codes sur le GitHub d'INRAE, ils sont automatiquement archivés sur Software Héritage. Software Héritage, c'est le lieu d'archivage officiel de l'ensemble des logiciels issus de la recherche publique. Et c'est Software Héritage vous permettra d'avoir un identifiant SWID. Et c'est ce fameux identifiant dont on vous parle depuis le début, cet identifiant pérenne pour pouvoir rattacher donc votre nom d'auteur sur cette diffusion de logiciels libres. Vraiment, voilà, ce numéro SWID, il va faire c'est l'identique du dépôt APP pour une licence propriétaire. Et oui, et également, si vous réalisez une publication scientifique, par exemple, en plus de la diffusion de vos codes informatiques, vous pouvez rattacher donc la publication au numéro SWID.
que tout soit au niveau des droits d'auteur hein, sur l'ensemble de vos travaux soit bien bien rattaché. Peut-être pour compléter du coup cette procédure à quelque chose de par une règle, parce que bon, il y avait l'idée qu'en ouvrant sur des groupes comme sur GitHub, on ouvre largement, donc c'est bien pour valoriser l'école, mais il y a des questions de souveraineté et de se dire qu'on ne sait pas à tout moment si GitHub ne fait rien, peut disparaître. Et du coup, il y a l'archivage qui est terrain, qui est géré par Imria d'ailleurs, qui est pour toute la recherche française automatique sur Software Héritage. Et du coup, là, on est sûr que même si GitHub a un souci, les codes de la recherche publique française sont toujours stockés. Pour vous indiquer que si vous avez besoin d'informations complémentaires, il existe donc un guide sur le logiciel libre, encore une fois disponible sur l'adresse qu'on vous indiquait sur la diapositive. Et également, on a rédigé en interne un petit document récapitulatif sur tous ces aspects-là de titularité, de droit d'auteur et de valorisation sur les logiciels. Voilà, par contre, c'est un document en interne qui, voilà, le demander, vous pouvez en faire la demande auprès des services de valorisation. On peut passer aux questions. Du coup, on était un peu plus sur les questions droit d'auteur, licence, propriété intellectuelle. On va aller un peu plus sur l'aspect valorisation sur cette partie-là. Du coup, tu peux passer. Alors oui, un petit point sur la science ouverte, parce que vous verrez... les stratégies de valorisation d'INRAE en termes de logiciels ont changé suite à l'émergence de la science ouverte. Donc bon, la science ouverte, je pense que vous savez sans doute même plus de choses que nous. Mais donc voilà, il y a un plan science ouverte qui est en cours sur 2021-2024. Donc la science ouverte est bien sûr très connue pour l'accès ouvert aux publications, de plus en plus pour l'accès ouvert aux données. Mais aujourd'hui, dans le cadre de ce plan, science ouverte 2021-2024, il y a tout un axe sur l'ouverture des codes issus de la recherche. Donc, c'est ce qu'on va regarder un peu. Oui, bon, les enjeux science ouverte, je pense que vous les connaissez mieux que nous, mais il y a toute une question sur l'efficacité de la recherche. Pourquoi que les chercheurs aient besoin de régénérer, récupérer des données que d'autres équipes auraient déjà générées. Il y a toute la question de la qualité et de l'intégrité de la recherche, de pouvoir comparer, retester les méthodes, etc. Et de la confiance auprès des citoyens. Ça, c'est l'enjeu général sur la science ouverte. Je peux passer à la slide suivante. Par rapport au code, donc, qu'est-ce que dit le plan national science ouverte? Il dit que les codes doivent être mis à disposition avec possibilité de les modifier, de les réutiliser et de les diffuser. C'est un enjeu majeur de la science ouverte. Il dit qu'ils ont pour ambition que les codes de la recherche publique soient aussi maintenus, préservés et valorisés. Et que du coup, la diffusion des codes issus de la recherche publique seront libérés dans le respect des contraintes légales. Des contraintes légales, à savoir, c'est les questions de RGPD, de données personnelles, de pas divulguer les codes dans lesquels il y a des données personnelles. Il y a des contraintes juridiques. Il y a toute la question des collaborations avec les partenaires privés. Si vous avez des codes de partenaires privés ou si c'est issu d'une collaboration avec le privé, là, on déroge à cette question d'ouverture pour voir ce qu'on a connu avec le privé. Et il y a quelques questions de souveraineté nationale auxquelles on a rarement le cas, mais bon, à savoir, l'État peut dire que tel code, on ne les ouvre pas pour les questions de souveraineté nationale. Voilà, la slide suivante. Alors oui, juste quand on parle d'ouverture des codes, donc c'est ouvrir les codes sous licence libre. On a vu toutes les caractéristiques d'une licence libre, donc il y a une liste de licences libres que le ministère a listée sur Internet, auxquelles on peut se référer. Du coup, on peut se poser, du coup, comment aujourd'hui on valorise en même temps qu'on laisse libre les codes? En fait, il y a l'idée que qu'INRAE aujourd'hui accompagne les stratégies de valorisation pour les logiciels, qu'ils soient libres ou non, pour permettre leur pérennisation, leur diffusion et leur utilisation la plus large dans le monde socio-économique. D'ailleurs, cette idée, c'est de se dire que c'est pas parce qu'un code est libre que finalement il sera largement utilisé qu'il y a des actions à mettre en place en termes de maintenance, de communication, d'ergonomie, enfin, un ensemble d'actions à mettre en place pour que le logiciel soit valorisé, même si il est sous libre. Libre ne veut pas dire forcément valorisation effective. Du coup, dans la procédure, on dit que voilà, dès que vous avez un logiciel qui vous semble d'intérêt pour le monde socio-économique, c'est de faire une déclaration d'invention. C'était la première étape du cercle qu'on a vu là sur la valorisation.
et de voir du coup les chargés de partenariat et innovation, Diana, Virginie, Jean-François, voir si l'on va. Pour un logiciel ou pour n'importe quel, voilà, c'est aussi, si vous savez, des résultats, des travaux, des recherches, il faut aussi passer par ça. Ça marche pour les logiciels, mais ça marche pour tous vos résultats de recherche pour avoir un intérêt vers le monde socio-économique. Du coup, la procédure, c'est que vous faites une déclaration d'invention. Vous déclarez, donc si on est sur financement public, si on rentre dans le cadre de la science ouverte, si on n'est pas dans le cadre du collab, etc., et que les codes sont achevés, ils seront mis sous libre, mais qu'ensuite, on pourra faire différentes actions pour valoriser votre logiciel. Et ça, c'est la slide d'après. Du coup, on a catégorisé les actions possibles en termes de valorisation en deux grands axes. Et après, c'est à voir au cas par cas, mais c'est les grands axes qui sortent prioritairement. C'est de se dire, le code, il est finalisé, il est opérationnel, on va dire, pour le monde socio-économique, mais il faut proposer des services autour de ce logiciel pour que les acteurs du monde socio-économique soient capables de l'utiliser. Donc, il y a différents services. Ça peut être de la formation et du contrat d'assistance technique. C'est de se dire, nos utilisateurs finaux, ils ont besoin d'être formés, accompagnés pour pouvoir l'utiliser. Donc, on met en place ce type de service. Ça peut être se dire, on va créer un service web. L'exécutable, c'est un peu compliqué. Si on crée un service web, ça va faciliter l'usage pour les partenaires. Ça peut être les deux, un service web, formation en même temps. Ouais. Ça peut être aussi de se dire, notre logiciel, en fait, ça demande une telle expertise que finalement, nos demandeurs, ils sont plus intéressés par des études réalisées par ce logiciel que par le logiciel en tant que tel. Donc là, bah, c'est réaliser des études pour ces partenaires. Donc, on peut voir, on peut aussi avoir un partenaire qui réalisera ces études-là. Comme on peut avoir un partenaire qui mettra le service web en place pour une RAE, enfin, on verra plus tard. Dans les autres voies de valorisation possible, c'est de se dire, en fait, le logiciel, il faut encore qu'on l'adapte. On est plutôt sur un logiciel utilisable à des fins de recherche, mais là, il faut qu'on avance sur l'échelle de maturité pour que des partenaires socio-économiques puissent l'utiliser. Donc là, on va faire de la maturation, on va soit créer de la collaboration directe avec les partenaires pour développer des logiciels plus adaptés à leurs besoins. Sinon, on a des guichets spécifiques avec INRAE, les SAT, etc. pour permettre au logiciel d'être plus utilisable par les partenaires socio-économiques. Et dans ce cas-là, en fait, on aura deux versions souvent on aura deux versions du logiciel, une version plutôt recherche libre et une version finalisée adaptée aux spécificités aux besoins des partenaires socio-économiques qu'on pourra mettre sous propriétaire si c'est la meilleure voie de valorisation à choisir. Voilà. Oui, du coup, c'était une petite image pour montrer que voilà, des champignons accessibles dans la nature, mais c'est pas pour ça que tout le monde est un peu en capacité de pouvoir les utiliser, les consommer. Donc, dire que c'est pas parce que quelque chose est libre d'usage qu'il est finalement facilement accessible et utilisable par tous. Et que la valorisation des logiciels libres, c'est mettre en place toutes les actions pour que chacun puisse utiliser ce logiciel. Voilà. Après, du coup, oui, là, ça reprend le schéma précédent. Donc, dire, bon, s'il n'y a pas d'enjeu socio-économique, vous suivez la procédure que Florie a présentée. S'il y a un enjeu possible vers le monde socio-économique, vous faites une déclaration d'invention. Et après, on vous accompagnera pour voir quelle licence libre, si on est dans le cas, il n'y a pas de contrainte légale, de copro, etc., avec un privé. Donc, voir quelle est la licence libre la plus adaptée. Et ensuite, on voit, du coup, si on est sur un dépôt GitHub ou si on fait un dépôt APP selon la licence choisie. On peut réfléchir à des dépôts de marque, voir s'il y a du savoir-faire à valoriser autour du logiciel. Et puis, on définit avec vous la stratégie de valorisation. C'est ce qu'on a vu précédemment. La formation, l'assistance technique, un service web, le dépôt de marque, est-ce qu'il faut de la maturation, développer une version spécifique du logiciel adaptée vers le monde socio-économique, etc. Là, c'est vraiment au cas par cas selon votre logiciel, les demandeurs, leurs besoins, etc. Et après, tu nous as mis des exemples, oui, c'est ça après, mais par rapport au temps, je regardais si ce que tu avais mis les exemples du LBE à la fin. Enfin, après, bon, je ne sais pas, je regarde l'heure, mais. Peut-être, on s'était dit que les exemples, ça peut-être. C'est très bien, c'est très bien. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on passe directement aux exemples pour en fait. On passe aux exemples. Alors, du coup, il y a des exemples que vous allez peut-être connaître, la CIMIS. Peut-être que certains connaissent, qui est une plateforme d'analyse multicritère de la durabilité.
n'y a pas besoin d'en beaucoup plus. Donc, la première étape, on a eu un projet de recherche, ils ont validé les modèles, etc. Donc, ça, c'est classique à toutes les premières étapes. Ensuite, dans ce projet-là, ils se sont d'abord dit, on a besoin d'ouvrir notre outil, il est utile aux chercheurs et au monde académique. Donc, ils ont d'abord fait une ouverture de l'outil au monde académique avec la création d'un service web. Donc, c'était vraiment initialement dédié aux chercheurs et ensuite, l'INRA et le CIRAD ont mis des moyens pour faire la maintenance de ce service web. Et en deuxième étape, en fait, ils se sont rendus compte que c'était intéressant pour les privés, donc ils ont ouvert leur service au privé. Et là, du coup, ils sont sur des formations payantes et sur un service payant. Donc, le privé paye pour accéder au service web et les formations sont payantes. Et ils réfléchissent en ce moment à se dire, est-ce qu'on ouvre le club utilisateur qu'ils ont mis en place entre chercheurs ou privés? Donc là, on est dans le cas où on a un service web qui est géré par INRAE, qui est très utile pour la recherche, mais qui est aussi ouvert par le monde académique. Et du coup, il y a une contribution financière des acteurs privés, mais il y a un gros financement public parce qu'on est sur un outil très utile aussi à des fins de recherche. Et les ressources humaines qui gèrent à la maintenance, etc., sont des ressources publiques. C'est une RAE qui gère la maintenance de ce service. Ouais, c'est des postes pérennes. Parce qu'on est sur un outil qui est très utile à des fins de recherche. On a favorisé une maintenance par les organismes publics, mais ouvert du coup au privé. Donc ça, c'est le premier exemple. On pourra enchaîner les trois exemples parce qu'ils sont très proches. Là, c'est pareil. On est sur un outil qui s'appelle PlateRock, qui est une plateforme de simulation de chute de blocs en montagne, donc éboulement rocher. Bon, c'est pas trop votre domaine, mais l'exemple en valorisation était intéressant, je trouve. Du coup, bon, il y a eu le projet de recherche, ils ont comparé les modèles, ils les ont validés. Et là, ils ont eu un intérêt qui n'était pas forcément pour les chercheurs, d'ouverture, de partage de code, mais qui était vraiment plus pour les bureaux d'études. Donc, les chercheurs ont commencé à faire eux-mêmes un service web et à le gérer. Mais en fait, ils se sont rendus compte que c'était un métier à part entière, que c'était compliqué pour eux, et finalement, ils n'avaient pas le temps de gérer la maintenance et que les bureaux d'études utilisaient peu le service parce qu'ils n'étaient pas assurés que la maintenance allait être assurée dans le temps. Donc, ils ne pouvaient pas le mettre ça dans leur service commercial et l'assurer à leurs clients alors que finalement, ça se trouve, au bout d'un an, la maintenance n'allait plus être gérée. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a une société qui s'appelle Alias qui était intéressée par gérer ce service-là et qui maintenant commercialise, qui gère le service web et qui commercialise des contrats de maintenance pour les bureaux d'études. Donc, en fait, le cœur de calcul de PlateRock reste en libre, à des fins de recherche et de transparence, notamment, enfin, même, comme on est quand même sur quelque chose de sécurité publique, on a voulu que le cœur de calcul reste en libre. On a transféré la marque PlateRock à la société Alias, et c'est maintenant eux qui officiellement portent le service web Alias. Ils gèrent ce service-là, et la formation auprès des clients d'Alias et bureaux d'études se fait de manière concertée entre Alias et INRAE. Voilà. Donc là, c'est un modèle où finalement, ça ressemble au modèle précédent, sauf qu'on a transféré la maintenance de ces codes à une société privée, parce que finalement, le web service était intéressant plus pour les acteurs privés que pour les acteurs de la recherche. Je ne sais pas si c'est clair. Je trouvais que les deux exemples étaient intéressants parce qu'on est sur du service web, mais pas sur de la valo similaire. Et le troisième exemple qui vous confirme, du coup, qui est concept public, pour avoir des témoins, peut-être. Et la ligne, Du coup, voilà, là, bon, on est sur, vous connaissez un outil pour optimiser les filières de valorisation des digestats. Du coup, il y a eu tout un aspect recherche, les modèles ont été validés, etc. Il y avait un premier prototype de service web qui a été développé par INRAE. Et en fait, il y a eu une collaboration avec CRDF pour améliorer l'interface, l'ergonomie. Et ce qui s'est passé depuis peu, qui est en cours de finalisation, c'est que on a convenu que GRDF allait maintenir le service web, allait le diffuser largement auprès notamment des agriculteurs méthaniseurs et allait mettre en ligne ce service. Donc, on leur a transféré la partie interface et une marque a été déposée et on a une collaboration entre nous. Et il y a l'idée aussi de communiquer largement autour de ce service dans la presse. Ça, c'est pas encore fait, mais on espère pouvoir le faire. Avec un communiqué de presse GRDF,
Donc l'idée, c'était de se dire, là, on a pareil, on a le cœur de calcul de concepts disponibles à des fins de sciences ouvertes et puis de transparence. On a un service web qui a été co-développé, qui a été d'abord développé INRAE, mais finalisé avec GRDF. Mais on a une maintenance qui va être gérée par GRDF aujourd'hui, parce que c'est pareil, c'est plutôt à des fins de partenaires socio-économiques, et INRAE n'a pas vocation à faire cette maintenance. On a une licence sur marque Concept 10, où on a transféré la marque d'INRAE à GRDF, donc ça devient eux officiellement les porteurs de cette plateforme-là. Et du coup, on a convenu qu'il y avait un accès gratuit. GRDF offre gratuitement cet accès à cette service web aux agriculteurs et à tous les utilisateurs. Donc c'est pareil, c'est un autre mode. On a transféré vers un privé, mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un privé complètement dans notre sens, dans le sens où l'accès restera gratuit à tous. C'est le bon pari. On n'a qu'un exemple de ce type-là. Là, c'est un exemple, alors c'est le modèle Maelia, aussi. Sans doute certains d'entre vous connaissent, et la création de la startup MyLab. Donc là, on est sur un modèle complexe qui est issu de pas mal d'années de recherche, qui a été validé scientifiquement. En fait, on est dans un modèle qui est difficilement, qu'un acteur extérieur peut difficilement prendre en main pour réaliser lui-même des études. Donc ce qui a été connu, donc le logiciel est en libre, mais il y a eu la création d'une startup qui, elle, réalisera les études. En fait, le chercheur a eu de nombreuses demandes d'études auprès d'externes, mais qui n'étaient plus d'activités de recherche. Donc, ils s'est dit, enfin, ils se sont dit, parce qu'il y avait des post-doctorants, on va créer une structure qui fera ces études-là auprès des partenaires externes. Donc, du coup, c'est MyLab, du coup, qui réalise ces études en se basant sur le logiciel Maelia. Ils sont lauréats IPHD, bon, ils ont été lauréats à la start-up. Le chercheur est un peu scientifique auprès de la start-up. Donc, le logiciel est en libre, d'autant plus pour des enjeux de sciences ouvertes, mais parce qu'aussi, il y a une communauté scientifique qui continue à travailler dessus, donc il y a tout intérêt qui reste en libre. Et en fait, c'est le savoir-faire qu'on a licencié, le savoir-faire expertise auprès de la start-up. Et il y a un concours scientifique, c'est-à-dire que le chercheur a du temps libéré pour accompagner la start-up dans la prise en main du logiciel et pour qu'ils puissent eux-mêmes réaliser des études qui sont demandées par les acteurs socio-économiques. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair, c'est un modèle un peu particulier où finalement c'était les études qui étaient demandées et pas le logiciel en tant que tel. Donc on a transféré l'expertise auprès d'une start-up qui fait les études aujourd'hui. Pourquoi c'est pas l'INRAE Transfert qui n'a pas pris cette charge? Non, on fait du transfert, mais c'est rare qu'on. Enfin, à part la Business Unit. Oui, mais c'est pas OK. Oui, ils le transfèrent, mais après, c'est pas OK qui font ça. On accompagne à la création de start-up, mais nous-mêmes, on va pas devenir start-up. On va pas faire toutes les start-up du monde. Ça va être super. Pas très beaucoup. Voilà. Après, on a deux exemples du dernier modèle qui est de se dire on a une version recherche. Et on va développer des nouvelles versions adaptées au monde socio-économique. Donc, j'ai mis deux exemples qui sont un peu différents. Alors là, il est assez éloigné de. Enfin, c'est une thématique de logiciel LAPIV, donc c'est en cours. La Valo n'est pas encore faite, mais c'est ce qu'on envisage. C'est un logiciel pour modéliser les diffusions de particules dans l'air. Il y a eu un projet de recherche, il y a une publication scientifique, et il y a le cœur du logiciel qui est en ligne, mais c'est un logiciel pour recherche. Ils ont commencé à travailler sur une version qui est plus industrielle, avec moins de temps de calcul, etc., qui serait utilisable par des industriels, mais ils n'ont pas fini. Et en fait, du coup, il y a la STAT qui finance un projet pour finaliser cette version industrialisable, utilisable par des partenaires socio-économiques. Donc, l'idée derrière, c'est qu'il y aura deux versions. Une version recherche qui va continuer à vivre dans le monde académique et une version vraiment industrialisable, plus beaucoup sur la question du temps, du temps de calcul, qui sera licencié à des acteurs privés. Donc ça, c'est un autre modèle qui peut aussi exister. Et le dernier modèle, qui est un peu sur la même logique, mais pas tout à fait, c'est Opiric, que peut-être certains connaissent aussi, qui est un outil d'aide à la décision pour l'irrigation. Donc il y a eu un projet de recherche, des publications scientifiques. L'Opiric classique, on va dire, qui est plutôt grande culture, etc., enfin, agriculture classique, va être mis en libre. Mais il y a eu des acteurs qui avaient des besoins très spécifiques. Par exemple, on a un acteur qui est intéressé sur l'irrigation des murs végétalisés en ville. Donc, l'idée, c'est de se dire, avec lui, on va développer une version spécifique d'Optiric qui répond à son besoin à lui,
On fait un contrat de collaboration avec lui, on va être en copropriété sur cette version spécifique. Donc là, c'est pareil, on aura plusieurs modèles à la fin. On aura l'optirique classique, entre guillemets, qui sera en libre, et on aura des optiriques très spécialisés, spécifiques, type mur végétalisé, où là, on a décidé que, comme c'était une demande considérée qui était intéressante que pour certains acteurs, de se dire, OK, on le fait en avec un partenaire privé, on sera en copropriété, et là, ce sera pas libre, on y fera une liste. Donc ça, c'est un autre modèle qui est envisageable. Donc c'est pas, on n'est pas sur une échelle TRL en disant, on a une version recherche, une version finalisée, on est plutôt sur des développements spécifiques ou sur demande. Voilà. Du coup, oui, ben, c'est un peu la conclusion. Ce qu'il faut retenir, c'est de se dire que c'est pas parce qu'on est sur du libre qu'il n'y a pas des actions de valorisation à faire. Que oui, on va sur du libre dès qu'on est sur financement public parce qu'il y a des enjeux de science ouverte. Là-dessus, on reste là-dessus, mais on fait quand même de la valorisation. Et du coup, pour finalement se dire comment on valorise, quelle stratégie de valorisation on met en place, c'est de se dire quels sont les freins à l'adoption de mon logiciel, qui ça intéresse, quels sont les freins à l'usage de ce logiciel par les acteurs intéressés. Et puis, du coup, bah, quelle stratégie on met en place pour lever ces freins, avec un partenaire qui peut-être prendra en charge ces actions. Enfin, voilà. Mais comment on fait pour qu'il soit largement utilisé, par les acteurs intéressés. Voilà. Je sais pas si, les exemples vous ont aidé à voir, concrètement, en quoi ça consiste.